Hello! Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bon, et bien voilà, 18h10, on est parti pour retrouver Eivor. Il est là, voilà, la soirée commence bien, donc la modératrice, bien évidemment, le papa, le frérot, le feyou. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre sa petite chaîne montante, mais très alléchante, j'ai envie de vous dire. Du frérot Feiyu qui en ce moment est à fond aussi sur Valhalla et bientôt sur WoW. Il paraît que la semaine prochaine il y a une petite comment on peut dire ça, mise à jour de WoW, une petite extension qui va arriver. Donc pour ma part, eh bien on est sur Xbox One S All Digital, donc on comprendra bien que je joue avec un code DMAT. Ouais, bah carrément, ça va sortir le farming. Et puis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, vous êtes déjà 5 sur le live. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. N'hésitez pas, on pianote. On partage sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir, les copains. Oh, mais cette manette, mais comment vous dire? C'est une perfection. Là, autant la manette PS, c'est un petit peu compliqué, là, mais. Le livre, qu'est-ce qui se passe? Ah, où est l'assassin? Ah, les deux bouquins, tu parles là? Allez, c'est parti. Et puis je vois qu'il y a du monde sur le live, donc ça c'est cool. Alors je suis où? Eh ben en fait, je suis là. Voilà. Bon, on n'a pas avancé de fou, mais justement, ça va être l'occasion d'avancer un petit peu ensemble, ça va être cool. Puis on va voir. Eivor, ça a été dur, on dirait. Content de te revoir. Allez, il est content. Il est content, il est content. Bon, il a fallu un petit temps pour que je m'adapte aux touches de la manette Xbox. Parce que j'étais habitué à la PS. Il devrait Mais avoir bon. terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Alors, accomplir le réconfort d'une Volva. La quête de la Volva de Berserker est ajoutée à votre jeu. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, soyons fous. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai dans mon petit inventaire? Est-ce qu'on peut augmenter du stuff? Donc ça on voit, ça c'est mon petit personnage. Donc comme vous pouvez le voir, je lui ai enlevé les cheveux, la barbe, j'ai tout enlevé, voilà. Moi je veux qu'il ressemble à Altaïr, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc on peut comparer, donc en appuyant sur RT. Voilà. Ok. Bon ça je vais garder celle-là, mais je vais pouvoir l'améliorer, non. Donc moi j'ai décidé de faire un perso avec main gauche, parce que moi je suis gaucher. Donc voilà, donc il a la hache main gauche, il a le bouclier main droite. Oh yes, je vais pouvoir lui mettre des petits gantelets. Voilà, papa, regarde. Ça qu'on me voit. Et dans ma besace, qu'est-ce que j'ai eu? Ok, donc là c'est juste du merchandising pour faire des échanges. Et on est parti. Par contre, tu frappes avec le bouclier là. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est la base, ça adore ça, tu vois. Ça qui est bien. Voilà, parce qu'en fait, donc là tu déstabilises. Tu bloques. Voilà, tiens, regarde, main gauche, regarde, main gauche. Voilà, tu vois, main gauche, regarde. Bim! Donc ça c'est quand même, ça c'est un peu quand même ridicule dans le sens où c'est que tu peux pas faire un vrai personnage gaucher. Donc tu vois là t'es obligé de lui mettre le bouclier, de ressortir et de venir faire ça à moins de changer le mapping des touches. Voilà. Donc là tu frappes, là tu te protèges. Donc si tu veux après devenir un vrai gaucher, il faut changer le mapping des touches et changer donc les deux gâchettes. Donc c'est pas très cool. Ça y est, ça spoil.
Ça y est, ça commence à spoiler. Voilà, à peine ça arrive, ça spoil. Donc, qu'est-ce que ça dit de beau? On va se barrer parce que peut-être on va se mettre en mode promenade. Là, je viens d'arriver ici, donc je vais visiter un petit peu. Forgeron minot. Besoin d'autre chose? Alors, est-ce que je vais ramener... Oui. Que peux-tu faire pour moi? Ouais. Donc, ben, en fait, pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Parce que sinon... Ah, si, je peux améliorer la cape. Nouvel emplacement de rune, nouvelle apparence. Nice! Tu as besoin d'autre chose? Non, c'est bon, on se casse. Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Donc je l'ai aussi dépourvu de tout tatouage. Donc c'est volontaire. Voilà. Alors, mon inventaire. Ça. On est d'accord, Kiki. Voilà. Oh, qu'il est mignon. Qu'il est mignon. Ouais. Pas mal cette petite tenue là. Donc qu'est-ce que je voulais voir moi? La quête. Donc là je fais ça, ok. Et Eivor rentre affronter la fureur d'un père adoptif. Donc, logiquement, on a quoi? What? Non mais moi là, ce que je veux là, c'est que je veux ma... La Volva Vida le nom là. Hey, peux me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur. Et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. Allez. On va chasser le cerf. Donc pour ça, il faut que je parte au nord. Hop. On va aller dans les montagnes, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Trois bois de cerf, le vœu. On va scanner, voir s'il y a un petit peu d'ennemis. J'adore le petit bout de la neige là sous les chaussures. Ça fait comme à la vraie neige. La vraie neige, ça fait schrunch, schrunch. C'est vachement bien. C'est au début que je croyais que pas, je crois que c'était un personnage ça. Bon allez. Je vais lui ramener ces 3 bois. Je vais aller défoncer deux. Défoncer de l'élan. Sorte feignant. On va aller voir si c'est beau là-haut. Peut-être ça fait bizarre d'appuyer sur A pour faire le parcours alors qu'au tout début des jeux sur Play c'était la touche R. Ça se prêtait tellement mieux. Moi je préférais appuyer sur X et Y pour les coups faibles et les coups forts. Après c'est un choix. What? What is this? Pour récupérer des matériaux, détruisez. Oh tiens. Voilà. Ça c'est bon ça. Hop, on va récupérer tout ce qu'il faut.
Voilà. Tiens. On va aller voir le copain. Ça, c'est de la bombe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a du bois. Ça fait un petit peu loin quand même. Hein. Ouais, ça fait un petit peu loin quand même, ce petit morceau de bois là. Je préfère aller faire le point de synchro. C'est pas ma moitié qui dira le contraire de faire un petit point de synchro. En espérant y arriver, ça a trop cassé la gueule. C'est vrai que c'est beau. Hein. C'est ouf, genre c'est tout blanc, mais c'est super beau. On n'a pas de. Qu'est-ce que tu vois? On n'a pas de copains qui traînent. Oh, pauvre. Là, il y a de quoi là? On va se régaler. On va se régaler, moi je dis. Avec mon arc et mes flèches. On va pas y aller comme un bourré. Alors, nous arrivâmes bientôt à la synchro. Point d'observation. Qu'est-ce que tu veux, toi? What? J'ai pas cru voir. Ah. Ah, voilà. Les matériaux, bien sûr. Bien évidemment. Dépose-toi, De Kunt, là. Je vais t'éclater. Où? On dirait vraiment les oiseaux de Kunt, quoi, l'ancienne, regarde-moi ça. Ah, dommage. Dommage, t'allais mourir. C'est ballot. Hein. Ah, bah, donc là, ça, c'est des petits endroits un petit peu relous. Parce que forcément. On peut pas passer sur la glace. Mais par contre, on peut passer là. Voilà. Allez, feignant. T'es une feignasse. Donc il faut trouver le bon passage. Tu as commencé à me faire peur. Là, on peut se faire un petit screenshot. Donc on peut quand même bien dézoomer. Dézoomer. Chut. On peut aller voir sa tronche de près. Oh, il est beau. Il est beau. Allez, c'est là. Voilà, on passe par là, Mino. Tu l'as vu. Point d'observation en vue. Vu, j'avais pas vu. Bon, déjà, on va faire un autre petit panorama. Hein. Ah ouais, il y en a qui font ça, il y en a qui prennent leur bouclier parce qu'il est trop beau. Bon, en l'occurrence, peut-être pas celui-là, mais voilà, c'est le point de synchro, Mino. Ça, c'est pour Séverine qui adore les points de synchronisation. Alors, d'où je vais pouvoir me jeter? Je vois pas trop d'endroits où c'est que je peux me jeter. Mais là, on va aller déjà récupérer ça. Voilà, à la sienne.
qu'on a sur cette belle map? Ok. Donc moi, mon but du jeu, il faut que j'aille à l'objectif de Quête. De Quête. Oui, à l'objectif de Quête, bien sûr, Seb. Tout à fait. Un objectif de quête. Qui est d'accomplir le réconfort d'une Volva. Donc regarde. On est là, on va y aller direct. Allez, c'est parti. En plus, c'est droit devant nous. Bah, y a pas rien là, Minou. C'est comme c'est beau, c'est chatoyant. Ah, c'est sympa ça. Alors par contre, le fait de rester appuyé. Oh, merci. Ah, ça veut dire que le jeu est plus beau que moi. Donc par contre, ouais, ce que j'aime pas, c'est de rester appuyé donc 2 secondes sur le stick droit pour pouvoir lancer la vue de l'aigle. Ça me... Je suis pas trop fan. Mais bon, après c'est un parti pris, hein. On peut pas plaire à tout le monde, mais j'aurais mis quand même plus de config, de possibilités de config. Celle-là, c'est celle par défaut, et après c'est personnalisé. Donc c'est quand même ledge, je trouve. C'est quand même ledge. Bon, Eivind s'endort pendant son tour de garde. Ah. Cela explique certaines choses. Ce qu'on va faire déjà, c'est que... On va fouiller, hein. On est des salopards, non? Eivind, réveille-toi ou tu seras banni. Allez, réveille-toi. Putain, quel gros porc. Restez éveillé. Ils peuvent être n'importe où. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il marche dans son sommeil. What? Pour de vrai ou... Non, il marche pas pendant son sommeil, mec. Il a les yeux ouverts. C'est faux. Ils sont partout. Si on meurt, tout le monde meurt. Il va prendre la tyrolienne, cet imbécile. Ne pas s'endormir. Les voir venir. Eivind, réveille-toi! Tu approches du bord! Réveille-toi, mec. Donne-moi ton arc, surtout. Ne va pas là-bas. Quand même pas passer par là. Attention. Dirais-moi le matin vers 15h. Elle t'a plus celle-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eivind, il fait n'importe quoi. Calme, tu dormais. Non! Je volais dans les airs. Dans ton rêve. Le réveil a été brusque, oui, mais au moins... T'as le retracing derrière. Non, je déconne. Tu as toujours marché dans ton sommeil. Depuis que je suis en poste ici. Dans mon lit, je m'inquiète d'une attaque. Et lorsque je suis de garde, je m'endors. C'est idiot de rester éveillé à s'inquiéter. On se lève épuisé et le problème n'est pas réglé pour autant. Tu parles avec la sagesse d'Odin, Eivor. Je repenserai à tes paroles lorsque je me coucherai. Pense-y plutôt quand tu montes la garde, et dors quand tu es au lit. Et va te présenter avant qu'on te note comme déserteur. Allez. Eh oui, imbécile. Voilà. Donc ça c'est fait. Bah, tu m'as fait descendre pour rien. Voilà, ça c'est bon, ça. Point de compétence. On va pouvoir aller jeter un œil sur l'arbre de compétence, justement. Mais d'abord... On va faire ça. On va se mettre ici. Non, j'ai dit ici. Il commence pas à m'énerver le jeu. Oh, c'est beau. Ah,
Alors avant justement sur les gâchettes LR, c'était pour monter et descendre la vue, mais là ça a complètement changé. C'est là où on regarde. C'est exemple, je regarde en l'air, j'avance. En fait, c'est comme un FPS. Ah, c'est bien foutu, hein. Hop là, tu montes, il faut que tu reviennes là. C'est mignon, hein. C'est plutôt mignon. Allez. Tant que tu nous as gonflé, toi là. C'est pas la colline, moi. Plutôt la montagne. Parce que la montagne, ça vous gagne. Ça, cette belle vue là. On vient de là-haut, on vient de là, nous. Allez. On va pas commencer à se promener, à regarder les décors. On n'a pas trop croisé de bestioles en tout cas, jusque-là. En parlant de bestioles, justement. On va pouvoir se faire plaisir. Je n'ai plus de flèches. Alors quand on n'a plus de flèches, on fait quoi? Ben, c'est impossible d'attaquer. Attaquer comme ça direct. Moi, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille. Hop là. On va voir si c'est possible. Hein. On va essayer de l'avoir. Là, je suis en mode camouflage. On va voir s'il revient vers moi, si je peux justement le fracasser. Mais justement, il revient. Est-ce qu'il va me détecter ou pas? Allez, viens là. Viens à la maison, il y a des oiseaux qui chantent. Viens voir, papa, viens. Ouais, ça peut paraître bête de se cacher derrière un arbre, mais. On va essayer de le prendre. Je pense qu'il est pas bête. Ouais, il est pas bête, en plus il galope. Hein. De quoi il m'a bestiole tout à l'heure. Ah, j'ai récupéré des flèches maintenant, moi. Super. Il n'y a que des loups. Il me faut du bois. Bon, je pense que maintenant il est parti. Il doit être bien loin. On va essayer juste là. Là, il y a des chevaux, on peut prendre un cheval. Il n'y avait personne là. Eh ben non. Il n'y a plus de cerf ou d'orignal. Appelez-le comme vous voulez. Deux poulets de la part des chenéfrites pour ses récoltes. Un mouton de Torah pour la bénédiction de sang de son enfant. Une chèvre de Dag pour davantage de crème pour la peau. Ok. Voilà, bien sûr, je peux monter sur le cheval sans problème. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la quête. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya,
Je vous remercie de votre don de Seydre. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène ? Je la mets mon perso comme ça, moi. J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère ? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. Bon, est-ce que ça vous plaît pour le moment ? Du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. Après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Cool. Il y avait un loup, féroce, c'est beau, qui hein. hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut, il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seydre permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Bon. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Que prépares-tu ? Qu'est-ce que tu prépares ? Oh, je suis curieux. Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Cool. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Dommage qu'il n'a pas une petite barbe comme moi. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Ok, super. On va boire un élixir. On ne sait pas ce que c'est. Si tu cherches la vraie compréhension... Oula. Il est pas bien le monsieur. Ouais, ok. Est-ce que j'ai été trop curieux ? Mitty. Bon. Oula. Qu'est-ce qui se passe hein? Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Je pense qu'il faut suivre le loup. Ouais, on va suivre le loup là-haut. Ah bah tiens, le personnage est à côté. Sigurd. Sigurd, mon frère. Quand es-tu arrivé ? Donc ce soir nous a dit de bien se souvenir de tout ce qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Des tisseuses, une noire et une blanche. Ça sert le drame pour moi là. Continuons à poursuivre sur le chemin de la lumière avec ce loup là. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est planté ? Que fais-tu ? Il n'y avait pas d'autre moyen, Avi. Notre sort est tracé. Il s'est coupé la main, il s'est coupé le bras. Sigurd !
Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Ok. Sigurd! Messieurs, que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. What? C'est beau, hein? Il y avait un gros loup. Ok. C'est plutôt joli ce loup-là. Qui sortait de derrière la tempête de neige. Donc il fallait qu'on se rappelle bien de tout ça. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. Le loup m'a fait signe. Le loup cherchait mon attention, comme si... Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition. Ou ta peur. Ou ta peur. La halle d'Odin s'est ouverte à moi. Qu'est-ce que je peux répondre? La halle d'Odin s'est ouverte à moi, ou Odin et les Nornir étaient là? Est-ce que donc les Nornir, c'était donc les femmes qu'on voyait sur leur métier à tisser? Ou est-ce que la halle d'Odin s'est ouverte à moi? Ça, je pense pas. Je vais peut-être rester sur ma première impression qui était sur Odin et les Nornir étaient là. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Ok. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, et la oui. vie, ton chemin, ce qui t'attend, et où cela prendra fin. Bon, forcément, j'ai été obligé de répondre toutes les réponses. Des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui, oui. Eh oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Ah oui, ça. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Au Valhalla. Ce signe porte un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. C'est pas très bon. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vie. Ok. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Donc, il est mon frère, ma famille. C'est cool d'apprendre ça. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras, Sigurd. C'est ma destinée. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Ah, mon pauvre Eivor. Voilà. En voie de l'expérience, justement... 5100, on va aller voir justement l'arbre de compétences. Il est où? Il est là. Donc là, on peut partir du côté du corps à corps, de la discrétion et du à distance. Ça, c'est quoi ça? Dégâts. Ok, ça coûte combien? Voilà, on peut partir là.
Là, on a combien? Hop. Puissance 7. Alors, il faut savoir que Feiyu, il a puissance 57. Ce coquin. Alors, connaissance discrète. En fait, tous les X. X compétences, on a une grosse compétence. Exemple, celle-ci, elle permet donc. Lorsqu'un ennemi est au sol, appuie sur R, le stick droit, pour le piétiner sur le visage. Et là, donc. Hop. Là, on est sur frapper un ennemi dans le dos, augmente les dégâts défensifs et le fait chanceler. Donc, il me reste combien de points? Il me reste encore 2. J'ai envie de continuer dans cette branche, moi. Voilà, ça c'est fait. Donc, bien évidemment, je peux me promener à cheval. Est-ce que je peux le faire galoper? Ouais, je le fais galoper, moi, le cheval. Ok. Alors, où est-ce que l'on peut aller? Direction monde. Ok. Donc, il y a déjà une belle partie de la map qui est dévoilée. Là, on en vient et on peut y faire un déplacement rapide. On va revenir là. Hein. Oberkaï, qu'est-ce qu'on fait? On y va à pied. C'est pas super loin non plus. On va déjà aller là. Et puis vu qu'on peut faire des déplacements rapides. Et ça arrive moi, hein. C'est les copains. Salut les copains, désolé de vous avoir bousculé. Ce n'était pas voulu. Alors, est-ce que en arrivant en bas, je peux faire. On va voir. Parce que donc. Je viens de passer, bien sûr, comme un imbécile. Mon point qui était là. Le mec super attentif. Voilà. Oh, il y a une belle petite corde là pour faire la tyrolienne là. Voilà. On a un endroit à un moment donné pour mettre le cheval. Cette foutue vermine a encore déserté. Allez, on va le laisser là. Ce sera déjà pas mal. Pourquoi cries-tu? Eivind est encore parti au loin. Chaque fois, il prétend s'être égaré dans les montagnes. J'en ai plus qu'assez. Si je dois encore risquer la vie des hommes pour le chercher, je le fais marquer au fer et bannir. Eivind, le fils de la sœur de Gunnar, si je me souviens bien. Ne mets pas tes fers au feu pour l'instant. Je m'en occupe. Reviens, ou on te marquera comme déserteur. Oh, ça va. Détendez-vous avec le... déserteur. Alors, est-ce qu'on a des trucs à ramasser ici? Non, mais on a des choses à piller en tout cas. Non? Je t'ai jamais demandé de faire ça? Je t'ai jamais demandé de faire ça, mec. Je crois qu'il a fait un petit saut. Un petit saut de la foi. Mais 100 fois. Il a failli mourir. Par là, voilà. Qu'est-ce qu'on peut récupérer à manger? Ouais, on peut récupérer à manger un petit peu. Donc ça, c'est des cibles. Hop. Là, qu'est-ce qu'il y a à piller ici? Forcément, il y a des trucs à piller. Évidemment qu'il y a des trucs à piller.
Alors. Non, là, il y a un truc en or. Il est où? C'est peut-être là-haut. Ben, on va voir. Foutu vermine a encore déserté. Non, c'est sur ce bois-là qu'on va plutôt pouvoir s'appuyer. Reviens, ou on te marquera comme déserteur. Oh non, c'est pas mal ça, j'aurais pu. Hein. Tu veux te faire bannir? C'est ta dernière chance. Non, mais garçon, tu vas te détendre. Laisse-moi monter là où je veux monter. J'aimerais bien monter là, moi, mais si tu m'en empêches, on va pas être copain. Voilà, merci. Alors, ok. Alors, comment pourrais-je monter là-haut? Avec la tyrolienne, d'accord, et la tyrolienne se trouvant ici. Il va falloir la lâcher au bon moment. Je présume. Ah, par contre, ouais, les rochers, c'est plutôt bien foutu. C'est mignon. Hein. Jouer ça. Plutôt bien joué la synchronisation. Alors, les runes peuvent améliorer, hein, d'accord. Ok, donc est-ce que je peux... Détends-toi. Est-ce que je peux, à partir de mon inventaire, poser une petite rune quelque part? Alors déjà, on peut voir qu'avec la petite flèche, on peut améliorer le bouclier, les brés et l'armure du clan. Et donc là, on a quoi? Ouais, on a des runes. Dommage, le carquois, je peux pas l'améliorer. Qu'est-ce qui me manque? 50, ouais, ok. Alors, on va améliorer ça. C'est tout? Eh ben, c'est tout. C'est tout, pour le moment. Jouer ça. Bon. Est-ce que je pense avoir récupéré tout ce qu'il fallait ici? Je pense que ouais. Et donc lui, qu'est-ce qu'il me veut lui? On peut faire une TP directement au village. Hein. Cela maintenant on y est donc. Voilà, on peut faire une TP. Ou un TP. Une téléportation ou un teleporting for tonight. Alors, on en profite pendant les temps de chargement d'aller voir les copains. Qu'est-ce qu'ils racontent de beau? Ok, ah, on a des nouveaux détails sur Immortal Phoenix Rising. On ira voir ça d'un petit peu plus près tout à l'heure. Et pour le moment, on est sur Assassin. Suivi quête. Bien sûr qu'on y va, regarde. Fondberg. Ça te tenterait. Alors, une partie d'horlogue? On ira voir tout à l'heure, on ira faire une petite partie d'horlogue, si ça tente quelqu'un. Mais là, pour le moment, on va finaliser. Il devrait avoir terminé. Cette petite le roi quête. A réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre de suite ou est-ce qu'on fait une petite partie d'horlogue? Qui se sent de faire une partie d'horlogue? Oh non, je vais le voir. Il faut qu'on avance un petit peu dans la quête. Je vais aller voir le roi. Alors, on fera les petits jeux un petit peu plus tard. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien.
Oui, c'est tout ce que je désire. Puis c'est... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi ? Certes, non, mon compote roi. De pomme. Très je bon. Ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte ? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances ? C'est pas faux. Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous des alliés ou pas ? On ne négocie pas avec des brutes, et ta diplomatie n'est que couardise. On a un petit peu le choix quand même là. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre ? Alors, avons-nous réellement des alliés ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire ? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout ? Quel provocateur. Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau ? Oublie-le ! Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Déterminé, le gars. Il est déter. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Ah. Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir la famille. On va aller voir la famille. Est-ce qu'on se tente à une petite partie d'Orlog ? Bon, ben j'ai envie de dire, on peut pas. Bon Sigurd, ça va frérot ? Comment est-ce-t-il ? Comment est-ce-t-il dans la casa ? Hey, doucement avec celle-là. Eivor ! Sigurd ! Ah, regarde-toi, tringre, couvert de sang. Es-tu allé faire la guerre sans moi ? Et toi, viking à la peau salée ? Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Ranvi, ma chère femme, mon mari revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Elle a pas un petit air d'assassin dans oui. Odyssée. Azim et Aitam, nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui... C'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Bon, c'est vraiment à la fratrie, quoi, c'est... Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire.
J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kyodve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kyodve le Cruel. Bon, elle a l'air déterminée en tout cas. Bon fils. Et bien sûr, mon fils. Gael, Gael, mon fils. Ouais, je sais, t'es nul, cette blague. On est d'accord. En l'honneur de ton retour, les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après deux hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kyodve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps. Nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Ouais, oui, bien entendu. Lorsque l'heure sera venue. Ils ont pris chacun. Et nous allons bientôt rentrer dans la première heure de stream. Ça, c'est cool. Que le temps passe vite quand tu joues à un bon jeu. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. Amis Clagarde, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Ah. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons je peux m'asseoir, je peux festoyer. Puis l'Afrique, au-delà des mers de sang. Ah non, je ne peux pas festoyer. Nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, nous revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors. Tiens, on peut s'asseoir là aussi. Ok, on peut s'asseoir au petit banc. Demain, le plan du grand corbeau va muer. Skoll, Sigurd. Skoll ! C'est à toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Allez, allez chez moi. Hop, 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 hop. Ouais, justement, je suis là, je suis là, je suis à côté. Tu ne m'as pas vu passer. Voilà, c'est Basim. Tu as bonne mémoire. Et tu n'as pas d'hydromel. Je peux y remédier ? Sigurd a souvent parlé de toi lors de nos voyages. Il t'a appelé son bras droit, un guerrier de talent. C'est un honneur de te rencontrer. Un honneur partagé, Basim. Et comment as-tu connu mon frère ? Il est venu à Constantinople il y a quelques mois pour se ravitailler et se reposer, a-t-il dit. Mais je savais ce qu'il en était. Les hommes dont le regard étincelle autant prépare toujours quelque chose. Je crois qu'il désirait piller Sainte-Sophie. Cela ne m'étonne pas. Ok. Je ne t'ennuierai pas avec les détails de notre rencontre, mais Sainte-Sophie. J'ai immédiatement apprécié ton frère. J'ai vu en lui quelque chose qui m'a fasciné. Et le souvenir d'une ancienne amitié a aussitôt refait surface. Il a souvent cet effet sur les gens. Passe une bonne soirée, Basim. Ah ouais, donc on peut... Non, allez, on va aller voir directement. Sigurd. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Fornburg, après plus de deux hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Ok. Tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel ? Oui, je ne te lâcherai pas, Drenk. Maintenant, bois. Qu'est-ce qu'il a encore mis dans la boisson ? De chaque chose un défi, c'est une boisson forte. J'aurais dû te laisser la victoire. On va dire que c'est une boisson forte. Trop longtemps, mon frère. Tu ne connais pas la puissance épicée de l'hydromel de Tekla. Oui, le goût a changé.
et il me plaît. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Tu ressembles un petit peu à des Templiers, cela. Ils ont une bonne tenue de Templiers. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux quatre coins de leur pays, le califat Abbasside. D'accord. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun, une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Voilà. Serait-il possible que ce soit la lame secrète ? C'est splendide. Une création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme ? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et la justice depuis des siècles. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aita. C'est pas faux. C'est l'esprit de celui qui s'en sert. La lame, c'est un outil d'usage, on va dire, pour le plus commun des mortels. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais okay. Tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. Donc Eivor préfère l'utiliser à l'extérieur. Ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Ah, ça y est, on va commencer un petit peu à rentrer dans le... Oui, l'âme secrète, bien sûr, acquisition. Mais c'est la base. Votre clan a-t-il un nom ? Oui, mais l'un des préceptes de la lame secrète, trop bien. Ne révéler que peu de choses. Je ne combattre qu'à ça, moi. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Ah, c'est parti. On va s'entraîner à la lame secrète. Avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. D'accord. Tiens. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte. Alors. Élimine celle-là depuis le rebord. Depuis le rebord. Oh, ça va me plaire, ça, je sens. Hop, depuis le rebord, vas-y, Seb. Faut pas remonter. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Que dirais-tu d'un défi ? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Voilà. Ça, c'est parfait. Ça, c'est ma petite arme préférée que j'ai mis dans les anciens assassins. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Chien à l'ancienne, voilà. Quoi. Ça, c'est bon, ça. Ah voilà, l'âme secrète, c'est juste de la bombe atomique. C'est ce qui faisait tout le... Mentor, toute la différence avec les assassins. Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame ? Trop bien. Il doit y avoir des... Aitam. Silence.
Tu m'as mis bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Partons. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Ah, si tu veux, on va marcher, on va prendre un petit peu le... pouls. Que penses-tu de mes nouveaux amis ? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Ok. Je ferai profiter de ses connaissances quand le temps sera venu. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon, ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres ? Pour l'instant, Eivor. Ça, le combat contre ton frérot. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage, autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ouais. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la France... Eh oui, la fameuse Angleterre. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjotve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Pardon. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un. Allez, on sert la pince. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Et voilà, on a fini le prince prodigue. Claquette, mais ici, petite claquette. Bon, en tout cas, c'est cool. Voilà, là, il y a eu une petite heure où c'était un petit peu plus calme. On a récupéré la lame secrète, ça c'est le top. Voilà, et lui donc il l'utilise par-dessus, et non de l'intérieur. Tu trahiras. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Oda a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. Ouais. Il va avoir ça en tête jusqu'à... La peste. Des guerriers de Kjotve. D'abord s'occuper de lui. Voilà, tiens. Il est sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Eh bien, regarde. Va voir, c'est lui. Ah, ok. Ça, c'est sûr que... Elle va faire au feeling, de toute façon. J'ai combien de flèches ? Ah, j'ai 7 flèches, c'est intéressant. Ubisoft Connect XP gagné. Mais voilà, ça c'est fait. C'est la maison. Pas de danger avec ça. Trouve les espions. Petit cheval. On procure des baies. Alors, où c'est qu'il peut y avoir ces petits ennemis là ? Trouve tous les espions.
moins. On va aller là. On va se mettre un petit marqueur. Et on va aller là. Allez. On va aller voir s'il avait raison. À mon avis, c'est fort possible. Il y a une branche pour monter exprès ici. Hop, hop, hop. Devons-nous rapporter à Kyotre la nouvelle des navires ou lui offrir la tête de Sigurd Styrbjörnsson? Oui, ça, les copains. Bon. Nous déciderons au retour de Lyot. Mais je ne tiens pas à traîner par ici, est-ce que c'est bien d'accord? Cesse de te plaindre. Ils sont peut-être ivres, mais ils ne sont pas sourds. Ouais, ok. Donc, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le surprendre par ici. J'espère que ça ne sera pas trop. C'est pas mal ça. Il va pas être bien, je sens. Alors, si on fait ça, aperçu. Ah, ça peut être pas mal. Chien. Alors, le copain, où le copain? Dis-moi ce que tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce que se passe? Éliminer discrètement les adversaires l'un après les autres pour constituer la meilleure solution. Révéler les ennemis à proximité à l'aide de Vision d'Odin. D'accord, ok. Petit sifflement, quel est ce grabuge? Putain, même de là, il peut faire un petit saut. Oh, ça c'est très bien ça. Ça c'est cool ça. Ça, ça fait plaisir. Bon, j'ai 2 points de compétence quand même. C'est tout, yay. Alors attends, là on va pouvoir acheter ça. Lorsqu'un ennemi tombe au sol, appuie sur R pour lui piétiner le visage. Bon, écoute, c'est parfait ça. On va prendre ça, ça va bien. Ça, ça a l'air plutôt bien. Est-ce qu'il n'y a que ça ici? J'ai déjà appris. Oula, il y a du monde là. Attends, là, il y a du monde là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, mais... C'est drôle. Ah ouais, ils sont chauds quand même, hein, les gars. Oh, ça fait des points. On peut assassiner de là directement. Ouais, c'est bon ça. On peut assassiner même quand on est sur le bord d'une falaise. Ça, ça fait plaisir.
Bravo. Ah mais il y a le feu pour de vrai en plus. Ok. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Chaque jour passé à ne rien faire, Kyot V devient plus fort. Je parle en tant que... Nous n'avons pas assez d'hommes pour... J'ai failli mourir brûlé. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. Trois hommes envoyés par Kyot V. Il a sanglanté un petit peu le monsieur. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre folle, le village de Baleinier que tient Kyot V. Alors attaquons, brûlons-le avant que Kyot V n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. C'est une bonne idée. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Aitam. Notre ? Tu comptes nous accompagner ? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous. Du Valhalla. Mais ce ne sera pas mon premier combat. Du Valhalla. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Ouais. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Mais il est sympa ce monsieur, dis-moi. Est-ce qu'on partirait pas faire un petit peu un petit jeu de l'horlogue? Est-ce que ça vous tente de faire une petite partie de d'horlogue? Je n'ai pas gagné une seule fois aujourd'hui. Il faut que ça change. Comme ça, je vous montre un petit peu ce que c'est. Alors, est-ce que ça vous tente ou pas du tout? Allez, une partie de dés n'a jamais fait de mal à personne. Alors, faut savoir qu'une partie de d'horlogue, ça peut durer un petit bon 10 minutes quand même. Allez, on est parti. Je vais juste bien me m'asseoir pour être à l'aise. Voilà. Allez, on joue. Très bien. Allons-y. Ah, voilà qui fait plaisir. Voyons ce que c'est parti. Chance. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? Donc, moi, je vais choisir pile. Alors, on a trois lancers. C'est un peu comme le Yams. Donc, exemple, lui, il a décoché une flèche. Une flèche va venir attaquer mes cailloux, mes runes, qui est grosso modo mon énergie. Et pour contrer la flèche, il me faut un bouclier. S'il me sort une hache, il me faut un casque pour contrer la hache. Et par contre, la main, on verra plus tard, elle va venir piocher des cartes chez l'adversaire. Donc là, c'est à moi de lancer les dés. Donc là, forcément, je vais déjà mettre un bouclier. Et je vais mettre une flèche. Donc après, je peux garder ça, c'est marqué donc confirmé. Je confirme. Voilà. Donc là, j'ai en prévision de bloquer sa flèche et de lui en mettre une. Donc là, on est d'accord que ça fait un partout avec un casque. Alors, son casque pour le moment ne lui servira pas à grand chose. Donc je remets une flèche. Maintenant, le but, c'est d'avoir des mains pour pouvoir lui piquer justement des cartes. Et voilà, donc vu que c'est le dernier tour, ben, en fait, là, on pose la main au complet. Donc lui, il va me toucher 4 fois. Là, il me faut quoi? Il me faut un bouclier et un casque. Ah, super. Donc, ben, on va voir comment ça se passe. Là, c'est nos petites cartes qu'on récupère. Là, ça s'annule. Et après, donc moi j'attaque 2 fois.
une défense et une troisième fois. Voilà comment ça se passe. Et après, donc, vous allez voir, on a les runes. Bon, forcément, celui qui remporte la main relance. Donc, il y a les mains aussi. Les mains, c'est important. Donc, la main, c'est pour justement récupérer les petites cartes que nous avons chacun. Ah, lui, garde tout. Ah ouais, d'accord. Lui, c'est... Voilà. On va la jouer safe. On va voir ce qui va sortir. Voilà, bon, moi, il me faut un bouclier, forcément. Voilà, donc un bouclier, on est bon. J'ai trois mains, une flèche, un bouclier. Alors, là, il fait quoi, lui? Ah oui, donc forcément, bien, on va venir ici. Comme on nous dit, dégâts infligés à l'ennemi après la phase de résolution. Donc là, on peut choisir. Si je prends 4, ça fait 5 dégâts à l'ennemi. 8. Allez, on croise les doigts. Voilà. Et on touche deux fois. Le bouclier, ça. Et là, je lui pique 3 cartes. Et plus. Voilà. Donc là, ça a marché. Donc là, j'ai fait une belle main. Et donc c'est cool. Alors, ça c'est fun. Là c'était une belle petite main. Moi je trouve ça toujours efficace, une petite flèche, un petit bouclier. Ça prévient au cas où. Lui va être obligé de sortir un bouclier de cartes. De main, pardon, ouais. Donc là, si je fais ça, ça contre. Allez, je me garde une flèche au cas où. Et lui, qu'est-ce qu'il va sortir? Ah ouais, lui, il va me faire mal. Lui, il faudrait que je fasse aussi mal que lui. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, j'ai que deux d'invocations. Il me touche. Ok, et là, j'envoie. Bim, bim. Une défense, une attaque. Ça, c'est bon. Tu es perdu et tu ne sais pas encore. Voilà, et là, regarde. Parfait. Et on est plutôt pas mal là. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. On va prendre ça. Enfin, ça serait fort là si j'arrive à gagner du premier coup. Ah ouais. D'accord, lui il est chaud. Il a décidé de tricher quoi. Il a décidé de tricher le gars. Il a décidé de tricher. C'est pas gentil ça. Parce que là, ça fait 2. Ça fait 2-0. Je suis obligé de sortir une hache, au moins. On va voir ce que ça va sortir au dernier tour avec un peu de... Ah, putain. Ouais, ça va, je sauve un peu la mise, attention. Ah, mais d'accord. Mec, tu sors 6 haches, quoi. T'es un mytho. Non mais t'es un mytho mec. Voilà, bravo, gros mytho. Je vais gagner cette partie. Abandonne. Quelle arnaque. Mais quelle arnaque. Je me suis fait un petit peu genre Sodome on dirait. Donc toi tu me mets. Donc je vais te mettre un bouclier, un casque. Et une flèche. Tu vois, je vais t'apprendre à jouer en premier, moi. Alors. Donc, ça annule. Ça annule. Allez, je tente le tout pour le tout. Hein. On va voir ce qui va me sortir. Ouais, ça va, c'est pas mal. Allez. Pour un petit peu de chance. Ben ouais, mec. Voilà, super, magnifique. Voilà. Pas de chance, c'est de ton côté. Alors que... Pas de chance. J'étais plutôt très très bien parti. Il lui restait une pièce.
J'arrête l'horloge. Il est resté une rune et puis voilà. Donc comme quoi, d'un coup, il m'a sorti 6 haches. J'ai perdu. Gros jeu de mytho. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il a triché le monsieur, c'est pas gentil. Hein. Personne, non. Hey, t'es clair. Allez, on va boire un coup. Tu prépares. Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire? Ah ouais, non, pas facile du tout. Mais là, t'as vu, j'étais en super bonne posture. J'étais bien, et puis d'un coup, il m'a sorti 6 haches, n'importe quoi. Allez, attention. Seb. Seb. Voilà, ça perturbe là, dès qu'il y a la petite flèche. Il va bientôt embrasser le sol. Allez, c'est parti. Ah, parce que là, il est dans une phase où après, il est pas bien. Yes. Et j'ai gagné. L'image d'Odin, l'hydromel et mon sang de vie. Voilà, par contre, voilà. Donc là, on a vraiment le ressenti de l'alcool. Voilà, super. Allez, on va passer à la boutique, si je peux passer, bien sûr. Parce que je suis pas mal un peu torché à chiffon de carpette, j'ai envie de te dire. Bonjour. Alors, on trouve des marchands dans toutes les grandes villes, on peut se procurer auprès d'eux des objets essentiels, voire rares, et leur vendre des babioles et des marchandises de valeur contre de l'argent. Voilà, si je fais ça, forcément. Pour le moment, on va tout garder. Stock, j'aurais... Moi, j'en ai combien, moi? Comment ça coûte? C'est... Ouais, c'est pas mal ça. J'ai combien de... J'ai 541. Si tu en désires, j'en ai. Un crâne à longue distance, elle inflige d'énormes dégâts à la tête, à l'arc de prédateur. Ok. J'en ai si tu veux en acheter. Bon, du cuir. D'accord. Alors ça, ça fait je quoi? Je peux aller en chercher si tu veux. Ok, donc à la limite, il vaut peut-être mieux tirer avec un arc de chasseur et d'infliger des dégâts conséquents. Donc c'est peut-être mieux ça. Je vais aller voir combien j'en ai, moi, en stock. Oui. Je dois partir. Merci. À bientôt. J'en ai 8. Et donc, combien je peux emporter? Je trouve ça, c'est le plus important, hein, savoir combien je peux emporter. Ah, je peux pas aller voir combien je peux emporter. Cette blague. Ouais, ok, super. Magnifique. Alors, c'est quoi notre prochaine destination potentielle? Donc c'est ici. Alors, on peut aller soit au point d'observation ici, ou soit aller au réveil mouvementé. Alors, quelle est notre prochaine destination? La quête principale ou le point d'observation? Vous avez 2 heures. Alors, qu'est-ce qu'on choisit dans le point d'observation? Ben, j'en étais sûr. Forcément. C'est même plus une question qui se pose.
Donc, qu'est-ce que je peux faire par contre? Est-ce que je peux être malin? Est-ce que je peux faire ça? Non, je vais y aller avec mon propre bateau. Donc là, on va voir comment on appelle notre bateau. À moins que ce soit celui-là. Ouais, je pense que c'est celui-là. Non, je n'ai pas appelé le cheval. Le cheval dans l'eau. Donc voilà, donc c'est là. Donc là, on peut quoi? On a une torche, on a la cape. Voilà. Moi, je suis pas trop fan de la cape. Voilà, je suis bien moi. Utiliser la corne, appeler le navire donc, qui est déjà là. Méditer et après la monture. On va méditer. Parce que, voilà. Donc méditer, ça fait passer le temps comme dans les autres assassins des open world. Donc là, on voit justement toute l'horloge qui tourne. Donc ouais, super. Et le bateau, c'est le nôtre là-bas. Donc on va y aller de ce pas. Allez, c'est parti. Prise de commandement. Hop. On se met là. Et puis c'est parti. Le point d'observation, pardon. C'est bon, les gars. Allez, on y va. C'est parti. Lorsque j'étais loin de ces rivages, on met les voiles. Je me demandais si je reviendrais un jour chez moi. J'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kyodve. La peur de ne pas le voir se vider de son. Ouais, c'est cool. Coucou Morgan. Dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, ah, comme il est beau notre beau bateau. De notre pôle. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Donc nous on va là. Regarde, oh putain, on va aller là-haut quoi. Tiens, il y a peut-être une aurore boréale. Une aurore boréale qui est en train de se former. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se répétera de ses morts. Alors, un nouveau point d'ancrage permet un déplacement rapide. Bon, ça c'est cool. Allez. On va s'amarrer. Hello. On va s'amarrer et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a. Là, c'est au moins déjà pour débloquer le. Voilà, déjà au moins ce qu'on a fait, c'est qu'on a débloqué donc l'amarrage, donc ce qui va nous permettre d'avoir un déplacement rapide. Donc maintenant, on peut repartir sur notre bateau et continuer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vous êtes sérieux les gars ou quoi? Qu'est-ce que tu fais toi? Viens ici. Allez. Voilà. Allez, nous allons là-bas. Donc je pense que là aussi, on va avoir peut-être un point d'ancrage. De l'or qui serait sous l'eau. Pillé. Ah ouais, ok. Donc pillé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser partir les collègues. Et puis on va voir ce qui se passe avec notre ami. Avec notre ami. Ça dit ça. Tiens. Ah, moi je te mets un headshot, moi, c'est quoi le problème? Ah, ça de la vie, c'est normal, la base. Allez, viens. Ça fait pas le con, hein. Pousse-toi. Voilà. Et là, je récupère mes flèches. Donc en fait, il y avait une flèche sur le corps du mec. Donc je récupère ma flèche. Donc on va voir qui sont nos ennemis. Ou pas. Ah,
ça va, ils sont pas super difficiles. Suivant mes collègues, ça va, ils sont pas trop bêtes non plus. On viendra récupérer tout ce qu'il faut après. Oh chien. Le coup lourd. Tiens le coup lourd. Voilà, prends ça. Allez, viens voir, viens. Toi, tu m'appelles un enfant. C'est bon. C'est bon. Allons-y. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner un petit peu sur les corps des mecs pour voir s'ils ont rien lâché. Exemple. Fouiller. Donc, quand il y a tes petits, les petites particules bleues. Est-ce qu'on peut fouiller le monsieur? Casse-toi. Ça va, détends-toi. Ça va, t'as battu deux gonzes. Regarde-moi cet aigle de fou, là. Voilà, comme il est beau, cet aigle. Donc après, on peut mettre plein de filtres et tout, c'est vachement bien. Exemple, si on fait... Voilà, donc là, on a l'exposition. Voilà, premier plan, deuxième plan. Donc forcément, on peut changer en fonction de la cible que je lui donne. Voilà. L'exposition, pareil, on peut faire des petits trucs super sympas. Le contraste. Donc le bruit, donc ça, c'est tout ce qui est grésillement. Voilà. La vignette, ça va nous faire... une petite vignettasse et un flou artistique. Voilà. Donc on est pas mal. Hein. Allez. Il est bien gentil Kiki, mais... Rapport poétique d'éclaireur. Des yeux là s'observent des ovides. Un seul navire du grand corbeau passe. Les loups d'Odin aiguisent leurs dents de fer en vue de leur festin d'oiseaux charognards. Moi, il me faut des flèches, moi. Alors, est-ce que je peux défoncer la porte ou est-ce qu'il faut la débloquer? Porte barricadée. Ah, ça, ça veut dire que tu peux passer. Eh, pousse-toi, toi. Rouge, c'est quoi? Rouge, ça veut dire qu'il y a un bloqué, c'est ça? Ah, bah, ça veut dire que c'est barricadé. Bon, c'est pas grave. On va aller directement... là où ça nous intéresse, c'est-à-dire là-haut. On va y aller à cheval. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, je t'ai pas demandé de venir, toi. Le gars, il s'incruste, quoi. Oh. J'ai cru entendre un ours. On va rester sur nos gardes, quand même. Parce que j'ai cru entendre un ours. Je sais pas jusqu'où le cheval va pouvoir nous mener. Y a-t-il teintement de richesse? Ça veut dire qu'il y a de la petite piécette là. Ah bah, ami cheval, je te laisse là. Je te laisse là, je suis sympathique et je vais pas t'abîmer. Ce serait bien que je rencontre un ours, un petit peu comme dans The Revenant. Putain, en tout cas, le mec il a pas froid quoi, il craint des guns quoi. Je suis un petit peu loin de ma quête, mais c'est pas grave, moi j'aime bien faire les points d'observation. C'est tellement plus intéressant d'ouvrir le monde. Personne là. Bon, en tout cas les gars ils suivent, hein. Allez, on va attaquer la partie ascensionnelle. T'envoles pas s'il te plaît, hein. Ah, je peux pas le tuer, dommage. C'est bien dommage, j'aurais bien tué, tu vois.
Est-ce qu'on passe par l'intérieur? Oh nice, on peut suivre la cascade. Oh trop bien. Donc il faut savoir que les parties glacées, ben, on peut pas les escalader. Ça on l'a vu tout à l'heure. Et l'aurore boréale se dessine de plus en plus. Voilà, petite aurore boréale avec le petit corbeau. Bon, on n'est pas là pour faire du tourisme. Oh, what? S'il y a un petit pilier comme ça, ça veut dire que quelque part... contre-plongée, c'est-à-dire tu descends ici et après tu remontes par en dessous et après tu te regardes, voilà. Et là on peut se faire une petite photo, bim, prendre la photo. Après, on peut faire la même ici, on peut venir par dessus faire un petit aperçu. On peut faire des petits trucs sympas quand même. Bon, n'oublions pas notre objectif premier quand même. Parce que c'est bien beau de prendre des photos, mais... Oh, sûr qu'il doit y avoir, le grizzly caché quelque part. En tout cas... Il a des cojones, notre ami Eivor. Regarde ça. Il a pas peur le mec, il a la main nue, il craint des gueux. Fais-moi ça comme ça grimpe. Hop. Et ça on le voit pas ça Seb. Voilà, on récupère un petit peu des cristaux. Oh oui, c'est bien joué ça. Non mais Seb, il est là le caillou. Des petits minerais tranquillou bidou. On y est presque les filles, on y est presque. On y est presque. Ah, il doit y avoir peut-être de la civilisation quelque part, ou alors peut-être on va devoir faire une descente. C'est une route ça, concrètement c'est une route. Mais nous on aime bien les, raccourcis nous. Voilà, on va se raccourcir et se faciliter la vie. On va prendre une pente de 94 degrés. Ça grimpe là. Allez voir, il est chaud bouillant. Allez Kiki. C'est pas maintenant que tu vas lâcher. T'es arrivé au bout là. T'es pas fatigué là, tu prends un Mars et ça repart là. Qu'est-ce que tu fais n'importe quoi? On peut voir les effets de brume ou de vent qu'on entend d'ailleurs. Voilà. Va-t-il y arriver? Il n'est pas fatigué. Voilà, c'est pas comme dans Zelda. Dans Zelda, il y a un stamina pour monter. Donc ça paraît un petit peu plus... Un petit peu plus réaliste. On y arrive, on y arrive. Bon, en tout cas, c'est pentu, hein. On peut voir que c'est vraiment très pentu avec le reflet de la lune ou du soleil, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être c'est le crépuscule. Allez, tu vas pas bloquer ici mec, hein. T'es bientôt arrivé, arrête de faire ton feignant là, à moins qu'il y ait c'est bien ce qu'il me semblait. Mais t'es sérieux là garçon? Alors attends, tu vas m'expliquer que là. Merci. Donc on est là.
deux choix s'offrent à nous. Ou on redescend par ici. On traverse tranquillement la rivière. Et on remonte par là. On fait ça de façon officielle. Ou on peut faire l'inverse de ce côté. Hein. Ou alors on tente de sauter dans l'eau. Alors, qu'est-ce que... Ben voilà, je plonge. Je savais qu'à un moment donné, il fallait plonger. Attention. Est-ce que ce petit plongeon t'a plu ? Oui, il a fait peur ce petit plongeon là. C'était bon ça. Et de suite, il s'est mis bim. En position de plongée. Qu'est-ce que c'est que ce tintinement là ? Allez, on va essayer de ne pas attraper trop froid. Et on remonte, c'est parti. En tout cas, c'était un beau plongeon. Hein, c'était... Ah, regarde-moi ça, comme c'est beau. Et on est, alors de surcroît, on est sur une PS4 Pro, ok. Mais je stream qu'en 1080, je stream pas en 4K. Donc c'est juste super beau, le jour se lève. Et il y a... Alors, imaginez sur les prochaines consoles avec... sur les prochaines consoles, c'est juste une mise à jour graphique avec... ce qu'on appelle le RTX, donc tous ces reflets qu'on peut voir et tout. Mais là c'est ouf là. Là on est ouf là. La petite musique là. Et là cette photo elle est super belle. Bim, on prend une photo. Et ce qu'on va faire c'est que on va faire une capture d'écran. Et on va l'envoyer directement sur Twitter. Comme ça, vous voyez aussi en direct comment ça fonctionne le partage. Donc là, on va marquer quel magnifique lever de soleil. Il a enchaîné, bien joué. Donc Assassin's Creed Valhalla, on est bon. Voilà. Et donc là, on peut sortir, et on peut partager. Et donc là, en cours de upload, bim, ça part sur... voilà, sur Twitter, je vais vous le dire, c'est lié de suite. Et elle doit être effectivement là. Elle est là, magnifique. Donc je la partagerai tout à l'heure. Quelle photo! Et quelle ascension! Ça sera quasiment l'ascension finale. Ah non, il est 8h10. Jusqu'à quelle heure vous voulez jouer les filles? Sommet de Fanaraki. Jusqu'à quelle heure vous voulez que l'on stream? Et l'ambiance là, 20h30. Allez, bingo. On est là, 20h30, on est bon. Ah, mais la photo d'avant, elle est ouf. Et c'est... Là, une fois que je vais arriver au point d'observation, on va continuer un petit peu, bien sûr, jusqu'à 20h30. Mais je ferai une petite téléportation à ce point d'observation et je le mettrai en 4K sur ma télé, là. 4K HDR, ça doit faire mal aux yeux parce que là, je suis juste en 1080p et je passe par mon logiciel de capture. Donc là, ça doit être juste hallucinant, quoi. What? Oh, belle. Génial. Bon, rien d'extraordinaire, vous allez me dire, mais... Voilà. Ouais, si je pille pas, par contre. Il faut piller, hein.
Capture d'écran téléchargée. Ouais. Ouais, t'es un petit peu en retard, hein. Allez. Montre-nous de quoi t'es capable. Parce que là, on est plus qu'à 45 mètres. Je pense que ce point d'observation, là, sur la crête, là, il va être... Oh my god. Et c'est bête, mais c'est tout blanc. Mais c'est super beau. J'ai envie qu'il fasse... Non, pas là, tu vois. Quand il part... Attention. Voilà. Ça, tu peux avoir une super vue sur l'aurore boréale. Ouais, c'est ouf. Allez, on est sur la crête. On va éviter de tomber, s'il te plaît. Hein? On n'a pas fait tout ça pour rien. Et je pense que là, je sais pas du tout si c'est un point culminant dans le jeu, si ça n'est plus au point. Mais en tout cas, on peut lancer une belle petite synchro. Ah ouais, c'est... Ça. Ah, c'est plus origine Odyssée, là. Ok. Voilà, l'ambiance musicale et tout, genre la neige, tout ça, c'est juste... Et puis là, on peut replonger, je pense, hein. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Toute une partie de la map, bien sûr. Donc on peut voir que c'est assez petit, hein. Mais bon, je préfère que ça soit comme ça, qu'une carte immense qui sert à rien. Ça, c'est ma photo. Est-ce qu'on retente de plonger dans l'eau? Ah, on peut aller là, qu'on n'a pas visité encore. Parce que là, je pense pas qu'on puisse sauter là quand même, c'est assez assez risqué. Là non, mais là, je pense que peut-être qu'on peut là. Qu'est-ce qu'on fait? On replonge? Alors, est-ce qu'on replonge? Passé à 1 cm de la roche. On peut aller sous l'eau aussi, hein. On est passé à 1 cm de la roche. Ce jeu est complètement fou. Puisqu'on est là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est moi aussi. Est-ce qu'on va découvrir ce petit coin là de Yves Latona? Hop, il y avait une petite bestiole. On est à combien? On est à 600 et quelques bancs. On est à 700 mètres, ça va. T'as le sang qui gèle, je sais pas moi. Habille-toi. Quelle idée aussi. Allez, go! En tout cas, on n'a pas rencontré de chamois, on n'a pas rencontré encore d'ours polaires ou je ne sais quoi. Tu veux dire, l'ours polaire, il n'est pas là, on est d'accord. Petite étendue d'eau. Voilà, c'est un petit peu plus plat là. Tu n'aimes pas le loup? Je t'ai pas fait peur, mais viens.
Bon, ils ont pas envie de venir, hein. Ils ont peur de moi. Oh, nice. C'est joli, hein. C'est très beau. Et on approche les 2 heures de stream. C'est cool, ça. Quel est ce bruit que j'ai entendu? On voit mes traces de pas. Alors, ce qui est bien, c'est que dans mon casque, j'entends les sons environnants. Ils viennent de la gauche, de la droite, de derrière aussi. Ça, c'est très indicatif. C'est très indicatif et puis c'est très intéressant si j'entends le son à droite. Donc, en fait, je peux regarder directement sur ma droite s'il n'y a pas un ennemi ou un animal qui se cache. Allez. À 95, il y a quoi, 95 mètres là? Ah, ça, ça me fait des blagues, ça, tu vois, regarde. C'est vrai que ça serait dessous, quelque part. Donc, forcément, il va y avoir des trucs cachés. Oh, nice. Est-ce que je vais pouvoir descendre de façon propre? Ça devrait le faire, je pense. Voilà, sinon, on va le faire à l'ancienne, hein, on va pas faire de bêtises. Cet endroit est très bien gardé. Ah, cet endroit est très bien gardé, il vient de me dire. Hop, hop, hop. On va aller voir s'il est très bien gardé, justement. On va envoyer notre ami. Guide-moi, Sinin. Est-ce que c'est une grotte? Parfois, ça peut être une grotte aussi, hein. Ah, c'est possible, hein. C'est possible que ce soit une belle petite grotte. Là, il y a du monde, ok. Bon, on va voir, hein. On va voir si je peux. Voilà, on va la faire à la douce, hein. Zone interdite, ben ouais, ça c'est sur M6, ça, zone interdite, hein. Hop, 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 hop. Briseur de crâne. Yes. Yes, non, rien du tout, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est sérieux, lui? Ah, tu vas pas pouvoir marcher, toi, quoi. Oh, tu vas te détendre, le garçon. Tu fais quoi, là? Ah, ouais, très bien gardé. On est d'accord que c'est très bien gardé, quoi. Mais il va falloir qu'il se détende, le jeune, hein. Mort. Ah, ça y est, Jean-Paul, il y en a qui se réveille. Où te caches-tu?
Ah, ça y est chaud. Est-ce qu'il va venir me combattre directement? Ah ouais, il est chaud, hein. il vient. Oh, c'est un bel assassinat, ça. Ça, c'était un bel assassinat loupé, ça. Bon, d'accord. Il est super excité, l'autre, là. Je vais le calmer direct. Vas-y, viens. Je vais te montrer quel bois me chauffe. Oh, mais t'es là. Vas-y, viens. Oh, je pense qu'il est mort. Ah, il est tombé en contre-plongée. Ensuite. Là, il se passe rien. On va essayer d'y aller à la douce. Hein. Je pense que je suis peut-être dans un niveau qui doit être un petit peu plus élevé que le mien. Donc forcément, ou là il va se passer un petit truc super sympa, je sens. Ah là je sens que ça va plaire à du monde là. Mais en attendant, on va aller fighter un petit peu les copains là-bas. Il me reste des flèches. Ouais, il me reste des flèches. Je n'en ai pas planté une ici, là. Non, c'est pas grave. Allez. On va aller déboîter un peu les copains, là. Allez, il se passe rien, il se passe rien. T'as rien vu, il se passe rien. Voilà. Arrête de m'énerver. Et rends-moi mes flèches surtout. Mes flèches. Merci. Alors j'ai... Non, j'ai rien. On va pouvoir aller fouiller la grotte tranquille ou pépouze. Enfin la grosse. La tente plutôt. Coffre à prier, il y a quoi dedans? Rune d'assassin mineur, rune d'arme. Ça, il va falloir que je comprenne. Ça, c'est un petit peu fouillé quand même, le combat là, comme ça là. Et du coup, tu perds tout, tu perds la caméra, tu perds tout. C'est un peu le bordel. Bon, ben, je crois qu'on est pas mal. Est-ce qu'on plonge ou est-ce qu'on passe par la route? Je pense déjà connaître la réponse, mais. On peut venir ici sinon. Attends, mais là il y a encore des trucs là. Ça fait du bruit ça. Ah, ça veut dire que quelque chose de planqué sous la cascade. Oh, c'est plutôt mignon ici, hein. On va aller voir ce qui se cache sous la cascade. Descendre, monsieur. Merci. Si tu veux pas descendre, tu me le dis. Hein. Donc on se retrouve. Ouais. On se retrouve derrière la cascade, quoi. Ouais, on est pas mal là.
tiens, trois flèches. Et un passage. Plus qu'intéressant. Plus qu'intéressant, mais musique inquiétante. Alors je sais qu'on peut faire ça. On peut aller dans audio, il me semble, et c'est les sons de collision. Alors c'est affichage. C'était dans quoi qu'on pouvait virer, c'est marqué crépitement, tu sais tout. Oh, je regarderai ça un petit peu plus tard en off. Là, c'est marqué crépitement de feu, tout ça, on peut le virer ça. Pour qu'on soit un petit peu plus en immersion. Oh. On voit qu'il y a un monsieur là. On va essayer d'aller s'en occuper de ce monsieur. Allez, sort. Ma flèche, merci. Là, il y a quoi là? What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Là, on roule là. Là, on en a deux. Nous avons deux ennemis. J'ai pas voulu faire ça. Détends-toi. Voilà, calme-toi. Calme-toi, Ivor. Ça va aller. Voilà. Prends le cool. Et tu récupères des flèches en plus en même temps. Ah ouais, il y a des... C'est parfait ça. Parce que si je fais ça et ça, j'aurais dû filer pour ça. Surtout, attends. Bon, ça c'est bien joué. Donc après, je peux remonter. Tout dépend où. Parce qu'on a vu justement qu'il y avait un gars contrebas. Alors, comment on va la voir? Y a-t-il beaucoup de monde qui arrive? Moi, je veux siffler, moi. Tiens, ça c'est pour moi. Il va venir là, forcément. Ah là, ça devient intéressant. Ça, c'est les phases que j'adore dans Assassin. Ah, voilà, je retrouve mon Altaïr. Là, je retrouve ma petite patte là. Ça fait plaisir. Je retrouve mon Altaïr et ça va chier des bulles.
Lui, il a l'air énervé, lui. Ouais, moi, les mecs énervés, je leur envoie une flèche. Ah, voilà, ça me plaît. Là, c'est ce que j'aime dans les assassins. Ah, je peux le faire chuter. Regarde. Mais ça, je savais qu'il allait pas mourir, hein, d'accord. Donc, on peut casser ça. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Oh putain, c'est parfait, j'ai récupéré. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, Sigur, mais qu'est-ce que tu fais là? Le gars, il arrive 100 ans après, quoi. Lol. Le gars, il débarque, tu sais pas d'où. On a toujours ce côté un peu fouillis, là. Elle a un or, celle-là. Bon. Et là-bas, c'est pareil, c'est plein. Ah non, c'était pas plein, ça. Balle de cuir. On dit rien. Oh, c'est joli, les éclairages aussi, là. Toi, tu m'as fait rêver, toi. T'arrives, je sais pas d'où tu sors, bim. Ah là, il y a des cercles là. Ah, c'est pas des cercles, c'était. Bim, headshot. Il est tombé. Voilà, c'était bien un clan. Un camp, pardon. Oh, mais c'était trop bien ça. Donc, ok, donc là, ils ont perdu le. Flèches qui sont là, ça c'est cool. Ça fait qu'on se retrouve où sur la map au final? Donc doucement on est en train de revenir vers notre plongeoir pour aller sur Floor Lee. Dommage, j'aurais bien aimé récupérer les lingots là. Et voilà, comme quoi on a fait un petit tour et puis on a trouvé des ennemis, c'était trop bien, et une grotte au final. C'est chouette. Alors on va aller sur le promontoire là-haut. On va voir ce qu'on peut faire. Qui c'est ça? Oh mais les mecs. Ouais, je vais aller chercher les lingots, regarde. Alors faut-il encore que. Voilà, celui-là, il y en a un qui est à 100 mètres. Donc forcément, zone interdite. Ça je sais mec. Alors en fait il y a une petite flèche, ça doit sûrement vouloir dire qu'il est en bas, au niveau inférieur. Donc ça veut dire qu'il est peut-être. Pourquoi tu vas pas? Alors il faut trouver juste une entrée de grotte. Donc voilà, donc là apparemment il n'y a plus de petite flèche. Donc là je suis au bon niveau. Là, il faut que je trouve une entrée. Il faut que je trouve une entrée qui soit à ce niveau-là.
Là, ça va être tout le bordel. Ben voilà. Pourquoi se casser la tête? Elle est là, l'entrée. Les lingots sont là. Voilà. Ça, ça nous permet de voir un petit peu tout ce qui se passe dans la pièce. Oh my god. Lingots de carbone. Ça, c'est les fameux lingots qui nous permettent d'aller chez le... Ouais, exactement. Donc, c'est les lingots qui nous permettent d'aller chez le forgeron. Bon, eh bien, on peut aller chercher le deuxième lingot, et puis on s'arrête après le deuxième lingot, ça peut être pas mal, non? Quel jeu! Je m'attendais pas du tout à ça, je suis plus que surpris en fait. Je suis étonné. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Pardon. Donc ils sont encore au-dessus. Il faut encore monter. Alors on va passer par où? Ah, c'est beau les petits reflets et tout là, j'imagine pas sur une Play 5 ou sur une Xbox Series X. Alors est-ce qu'on est bon là? Ah là, faut descendre un petit peu, il dit. Il faut encore descendre. Allez, on va se laisser glisser. Alors, ça voudrait potentiellement dire que ça serait là. Ah là, faut monter. Donc, il faudrait savoir qui. Alors, est-ce que là, on a la possibilité de monter par l'intérieur de la grotte? On ne dirait pas. Donc, c'est un peu plus loin. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un petit peu plus loin? Ah, là, ça y est, là, on est au niveau. On est au niveau, l'entrée serait donc pas très loin. Tu mètres jusqu'à là-bas? Ouais, non, j'y crois pas trop quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi tu bouges plus toi? Ah. Mec, trop ton chemin, je sais pas, fais un truc. Fais un truc dans ta vie. Il sort là-bas. Et là, on est toujours au bon niveau. Ni trop haut, ni trop bas. Ouais, bah effectivement. Ouais. On aurait loupé quelque chose dès le début, non? C'est vrai? Serait là. Ah, c'est sur lui. Super, c'était sur le mec. C'était sur le gars il avait des richesses sur lui quoi. Le fameux gars qui t'a envoyé les grenades là. Eh bien, on est pas mal. On a dépouillé un petit peu cette région. Donc tous les points bleus, c'est des points où on peut retourner. Allez, petit kiff pour la fin, on va se faire un beau petit plongeon des familles. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir avec un joli plongeon.
Ça va être trop bien. Oh, comment il passe près de la roche. Non, là, ça va. Là, c'était un petit peu mieux, là. Ah, mais tiens, parlant de roche. Eh ben, c'était cool. Alors, on peut se TP où? En sachant que notre première prochaine mission, c'est ici. Eh ben, on peut se TP... ici. Voilà. Et voilà. Avec une aurore boréale derrière. Bon. Pas super bien foutu, mais c'est pas grave. Plus important, c'est le plaisir de jeu. On fait défiler des astuces, super. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Rick Jack Falk. Ok, on est là. Mais au moins on le saura pour la prochaine fois. Aval de SNES. Stavanger. Et bien voilà, on peut s'arrêter là-dessus. Voilà. Sur un contre-jour magnifique. On peut stopper là. Bon, en tout cas, c'était bien cool. Hein. On va voir. Ah ben tiens, on va voir un petit peu ce qu'il y a de plus dans l'inventaire. On peut augmenter quoi? On peut augmenter les bottes. Alors, modifier. Ok. Ouh, là, c'est pas mal le bouclier. Là. Ça envoie du bois, là. Et la hache. Ouais. Dans notre sac, on a un petit peu plus de... Et 80, on en a combien de ça, là? On peut le savoir directement ici. Moi, j'augmente la hache, moi. Et puis on va aller voir. Ah putain, je peux encore augmenter ça. Et le bouclier. Le bouclier, c'est important. Donc là, les runes, on va aller voir comment on peut les équiper. On a récupéré pas mal de petits objets. Et on a 20 cuirs, alors qu'il nous en faut... Il nous en faut... Là, il nous faut aussi 50 bordels là, mais voilà, c'était cool, c'était Assassin's Creed Valhalla, choubidoubidou, Valhalla. Et puis on va s'arrêter là pour ce soir, c'est bien, on a streamé 2h30 quasiment, donc c'était cool. Bon, ben je vous laisse, merci à toutes et à tous d'être passés sur le live, ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux qui restent, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux la chaîne Twitch, et puis Facebook, Instagram, Twitter, ma vie de geek, voilà. Donc je vous dis à bientôt, et puis merci d'être passé, et puis je vous souhaite une belle soirée. À plus, ciao ciao.